Good morgen, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui, le nishmat rivka, bat sarah, rachel, rachel, bat sarah, pegi, bat esther, lisa, lisa, bat frecha, zara, bat mazam, tov, shish, bochish. Si vous souhaitez, voici les prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Bab Sanhedrin, Perek Gimel, Mishnah Zayin. Gabrou et Adavar, ayou machnissin otan. Hagadol Shabadayanim Omer, Ish ploni ata zakai, Ish ploni ata chayav. ומנהין לכשיצא אחד מן הדיינים, לא יאמר, אני מזכה וחבריי מחייבין, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי? על זה נאמר, לא תלך רכיל בעמך, ואומר, הולך רכיל מגלה סוד. למשנה nous enseigne, une fois que l'on a délibéré, comme la משנה précédente nous enseignait, selon la voix de la majorité, deux ont condamné, un dispensé. Alors maintenant, ça c'était lorsqu'on était à huis clos et il n'y avait même pas les adversaires, les rivaux qui étaient là devant nous. Une fois qu'on a conclu, ça y est, il faut condamner. Alors, Gamrou et Adavar, ils ont conclu et tranché, décidé ce qu'ils allaient prononcer, ce qui est le du verdict. Hayom achnisin otan, on les rappelait, qui donc les Baaléadin, les deux rivaux, les témoins, s'ils veulent revenir, qu'ils reviennent, on n'a pas de problème. Comme toute l'assemblée, mais en tout cas, on parle surtout des deux rivaux. Et Hagadol Shebadayanim Omer, le plus vieux des juges, dit Ishploni Atazakai, telle personne tu es acquitté. Ishploni Atachayav, un tel tu es condamné. D'accord ? C'est clair ? Soit. Une fois qu'on a fini, on a de prononcer le verdict entre nous sans les deux adversaires. On les appelle, on leur dit, bon, le grand des juges va leur dire, nous avons décidé ensemble que tu étais condamné à payer ou que tu es dispensé, que tu es acquitté. Mais sans dévoiler qui a dit quoi. On parle de manière, nous, le Beddin, on a décidé. C'est pas ton problème de quelle manière on a décidé ce qu'on était, la majorité, combien est-ce qu'on a discuté, combien on s'est arraché les cheveux et la barbe de l'un à l'autre. Finalement, notre conclusion, c'est que tu es chayav, sans préciser qui dit quoi. Pour quelle raison? On n'a pas envie de dévoiler quels sont les juges qui ont condamné. Il y aura une part d'abord de la chandra, comme ça va être d'ailleurs rapporté après. À cause de ça, le condamné va se mettre à haïr tel juge, c'est-à-dire qu'il ne le comprend pas, il va partir lui dire « Ah, ce juge-là, non, non. » D'accord ? Laisse tomber. Nous, le Beddin, on a tranché comme ça et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on fait parler le grand des juges ? Bien sûr, l'achlok lo kavod. On lui donne du kavod. Bien sûr, on respecte les plus vieux, donc on laisse les plus vieux eux-mêmes prononcer le verdict. Ensuite. « Ominaïn l'irsheyetse echad minadayanim, lo yomar anim ezake vechaveraim echayvin » D'où apprend-on que lorsque les juges sortiront du tribunal, s'ils rencontrent ensuite le condamné dehors, d'où je sais qu'il ne pourra pas lui dire « Lo yomar » il ne lui dira pas « Ani mezakeh v'chaveraï mechayvin » Sache que moi, je voulais t'acquitter. Mais les deux ont insisté, ils ont voulu te condamner. Et « Aval ma'ese shechaveraï rabu alai » Que pouvais-je faire que mes amis étaient plus nombreux que moi? Ils étaient deux, donc j'étais obligé de trancher. Mais sache que moi, à mon avis, t'étais Zakaï dans cette histoire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'où je sais qu'il n'a pas le droit de dire une phrase pareille. Alze Nehemar, sur ça le pasouk dit, alors il y a ici une marloquette dans la Girsa, dans la version, est-ce qu'il faut dire qu'il y a deux psoukim, on n'a qu'à les faire les deux, c'est pas grave. Alors, sur ça, le verset dit, Lotelech Rachil Be'amecha, un pasouk dans la Torah qui nous dit, tu n'iras pas colporter entre Be'amecha dans ton peuple, soit ne va pas commencer à les ragots. Tu vas aller voir un tel et lui dire, tu sais, lui il a fait comme ça, et l'autre il a fait comme ci, et puis suite à ça, ça fait que tout le monde parle sur tout le monde, à la fin, ça, tu sèmes la haine, la jalousie, la haine, tout le temps de mauvaises midotes. C'est le issour de Rechilut, bien connu, c'est pas encore le Lachanara, c'est quand on ment. Ouais, c'est fréquent, on rencontre des gens qui nous disent, ah non, c'est pas du Lachanara, c'est vrai ce que je dis. Ben quand c'est vrai, c'est de la Rechilut. Si c'était du mensonge, ça aurait été encore plus grave. Ça aurait été du moti shemra. Ça, c'est déjà bichlal. C'est déjà inclus dans l'histoire de Rechilut, même de ça. Ça implique. D'accord. Donc ça, c'est le premier verset de la Torah. L'otel rachil be'amecha, issour explicite de ne pas faire du lachonara, ne pas faire du colportage
Véomer, et là un autre pasouk dit, cette fois c'est un pasouk dans Michelet, qui nous dit Holech Rachil Megale Sod. Le colporteur, c'est celui qui dévoile les secrets. Le Tosfos Yom Tov explique longuement pourquoi il y a eu besoin de rapporter les deux versets, surtout qu'une fois qu'on rapporte un verset de la Torah, pourquoi rapporter un verset de Michelet qui a un niveau moins fort. C'est-à-dire, je rapporte un pasouk explicite, ne va pas me dire que c'est écrit dans les Tehillim, je sais bien, c'est écrit dans la Torah elle-même. Alors quel était l'intérêt ? Tosfos Yom Tov met l'accent sur quelque chose de très important, c'est qu'on aurait pu croire que l'Otelech Rachil Ba'amecha ne va pas colporter que la Torah l'explicité. J'aurais pu croire, c'est uniquement les ragots des gens mauvais, mais pas des bonnes choses importantes, d'accord, des choses de chochma, de lui expliquer. Il va partir, supposons par exemple, il va partir lui expliquer pourquoi à son avis il fallait absolument la quitter, parce que selon le Cholosh Mishpat, tel que le Netivot, il a répondu à la question sur le Ktsot, alors il s'avère que le Char, il avait tort, il a fait tout un beau pile-poule. Donc on aurait pu croire que c'est des divrés chochma qui viennent lui dévoiler, c'est pas du colportage des bistrots, quoi, c'est un peu plus de qualité. Alors sur ça, on a besoin de rapporter, sache que Holech Rachil Megalesod, dès que tu dévoiles un secret, quelque chose qu'il ne fallait pas dévoiler parce que ça peut causer du tort à d'autres personnes, ou peu importe, d'accord, il y aura toujours un tort qui va finir par y venir. Alors, sache que le fait que tu dévoiles un secret, ça s'appelle que tu es un Holech Rachil, t'es un colporteur. On a fini la Mishnah, enfin, besoin de porter Noah. Hayu machnisin otan, on faisait entrer. Donc quand on a fini de délibérer et qu'on a conclu qu'on allait condamner ou disparaître ou acquitter, alors hayu machnisin otan, on les faisait entrer qui? Les Baalei Dinin, les deux rivaux. Sheleachar sheshamuta anotehem. Ouais, quand on a fait la Mishnah précédente, je vous avais expliqué que dans ces nonines madavar qu'ils allaient débattre, qu'il manquait un petit détail, c'était de dire qu'ils allaient sortir. Alors là, le partenaire le précise bien. Pourquoi tu as besoin de les faire entrer? Parce qu'en réalité, tu les avais fait sortir. Car après que les juges avaient écouté ce que chacun prétendait réclamer, on faisait sortir tout le monde pour pouvoir débattre sur la question. Pourquoi on les faisait sortir? Pour que les Baalei Dinim, les deux rivaux, ne vont pas se mettre à écouter. Quel est le juge qui tend à condamner? Quel est le juge qui tend à acquitter? Et le Rambam, je rapporte au nom du Tosfot Yom Tov, le Rambam, il écrit quel est l'intérêt? Que des Sheyu Dayanim Ahuvim Etzel Bnei Adam. Afin que les juges soient des gens que les gens, que le peuple aime et respecte, mais qui le vénère vraiment, et non qu'ils ne méprisent pas, donc qu'ils ne sachent pas, qu'ils n'aient pas de haine et de colère envers les juges. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de sacha, comme tout, c'est là.